Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Jésus devant Pilate, suite. Il est dit clairement en Jean 18, 34 suivant que selon Pilate, à partir des informations qu'il possédait, il n'y avait rien contre Jésus. Pilate devait être stupéfait de voir les concitoyens de Jésus se présenter devant lui comme défenseurs de Rome, alors que ses propres informations ne lui avaient pas donné l'impression qu'une intervention était nécessaire. Mais au cours de l'interrogatoire, voici à l'improviste un moment qui soulève de l'agitation, la déclaration de Jésus. À la question de Pilate, « Donc, tu es roi ?» Il répond, « Tu le dis, je suis roi. Je ne suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Jean 18, 37. Cette confession de Jésus met Pilate devant dans une étrange situation. L'accusé revendique royauté et règne, Basileia. Mais elle souligne la totale originalité de cette royauté, et cela en donnant la notion concrète qui, pour le juge romain, devait être décisive, personne ne combat pour cette royauté. Jésus a introduit un concept positif pour rendre perceptible l'essence et le caractère particulier du pouvoir de cette royauté, la vérité. La vérité serait-elle donc une catégorie politique? Ou bien le règne de Jésus n'a-t-il rien à voir avec la politique? Pilate demande, qu'est-ce que la vérité? 18, 38. C'est la question que se pose aussi la doctrine moderne de l'État. Est-ce que la politique peut prendre la vérité comme catégorie pour sa structure? Étant donné l'impossibilité d'un consensus sur la vérité, et en s'appuyant sur elle, la politique ne se fait-elle pas l'instrument de certaines traditions qui, en réalité, ne sont que des formes de conservation du pouvoir? Mais par ailleurs, que se passe-t-il si la vérité ne compte pour rien? Quelle justice alors sera possible? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des critères communs qui garantissent véritablement la justice pour tous? Critères soustraits à l'arbitraire des opinions changeantes et aux concentrations du pouvoir. N'est-il pas vrai que les grandes dictatures se sont maintenues par la force du mensonge idéologique et que c'est la vérité seule qui a pu apporter la libération?